Non, mais je pense que Donc, c'est pas mal. Ce qu'il il est faut, assez c'est. harmonieux par rapport à l'épargne. Ce qu'il faut, c'est que vous réduisiez vraiment ces largeurs-là. C'est trop large, hein. Ces feuilles qui sont trop larges. C'est un échappatoire, du coup le métier fait que ça m'aide un peu à évacuer un peu tout ce que je ressens. Ce travail, c'est avant tout une passion, et pouvoir travailler dans un environnement qui nous plaît, c'est un atout. Et pouvoir contribuer aux restaurations du patrimoine ou la restauration d'œuvres, c'est quelque chose d'enrichissant. Quand on voit le résultat final, on est fier de soi. Quand tu vas aborder avec la filasse, tu ne vas pas réussir à la finir. C'est quand même mieux que ça va. Un métier intéressant qui permet effectivement une évolution personnelle. C'est un corps de métier effectivement qui amène à la réflexion, qui amène effectivement au sentiment d'un travail accompli et personnel. C'est effectivement un travail où on peut évoluer, on peut réfléchir, on peut travailler de ses mains. La minutie, le temps de bien faire les choses. Ouais, c'est un métier qui me plaît. Le souci du détail. Savoir pourquoi on fait les choses. Alors, pour répondre à la question, Hubert Laylaurent, aujourd'hui, c'est une équipe de femmes et d'hommes, volontaires, dynamiques, animées par le souci de toujours bien faire, de travailler dans le respect de la tradition française, de la qualité française, du savoir-faire français, dans le respect du passé, mais aussi toujours avec un regard tourné vers l'avenir.